L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante point. L'amour, vous connaissez la suite. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du 4e au 5e verset. Les lecteurs de la Bible se sont retrouvés. Pourquoi je commence avec ces versets? Pourquoi je parle de l'amour? Tout simplement pour rassurer à un cœur, rassurer à une personne, rassurer à une famille que Dieu vous aime. L'Éternel vous aime et il vous demande également de faire pareil. Et si on vous pose la question de savoir pourquoi aimez-vous Jésus, pourquoi vous aimez Dieu, la réponse est simple. Lui, il nous a aimé le premier, il nous a aimé en premier. Voilà pourquoi nous l'aimons aussi. Alors ne doutez jamais de l'amour de Dieu, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Ta Grandeur, votre magazine qui vous apporte la parole, votre magazine qui vous apporte l'évangile, votre magazine par lequel l'Éternel passe également pour sauver, pour délivrer, pour nous envoyer également sa parole qui nous aide à grandir spirituellement. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. Je commence toujours par demander que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Vous nous écoutez à partir de la 87.8 MHz B1 FM. Shalom à vous. Shalom à vous, chers internautes. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes vraiment ensemble. Et l'Éternel a décidé encore d'entrer dans vos maisons. Il a décidé encore de se faire un canal que lui-même s'est choisi pour que sa parole entre dans nos cœurs. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, shalom. Shalom également à notre invité qui vient pour la toute première fois, mais pas pour la dernière fois, parce que les portes de Ta Grandeur lui resteront toujours ouvertes. Shalom, pasteur Moussa Moupassa, et bienvenue dans Ta Grandeur. Shalom, maman Dorcas, et merci de me recevoir. Et je salue toute l'audience, ceux qui sont présents et ceux qui nous écoutent. Mm-hmm. Bienvenue également à Kinshasa. Après combien de temps? Ça fait 26 ans, mais j'étais là en 2021. Ok. Donc, vous revenez 3 ans après. Oui, exactement. Et comment avez-vous trouvé le pays? Il fait toujours très bien d'être chez soi. Alors, il y a toujours cette chaleur humaine. Mm-hmm. Ouais. Donc, au-delà de tous les différents bobos, les ça ne va pas, c'est important de se concentrer sur l'essentiel. Oui, ça c'est important. On est chez nous. On est chez nous et on est mieux chez soi. J'espère que c'est aussi le cas pour vous, pour tous les Congolais qui nous regardent en dehors de la République démocratique du Congo. C'est bien, c'est un choix que vous avez fait, mais de temps en temps, revenez également au pays, car la RDC a besoin de vous. Je signale que le pasteur Moussa Moupassa est du ministère Parole de Destinée. Nous sommes précisément à Montréal. Vers la fin de ce nouveau magazine, il aura le temps de nous parler de ce ministère. Il va nous donner l'adresse, le numéro de téléphone, pourquoi pas le programme également. Alors, avant que je ne dévoile même notre thème d'aujourd'hui, qui est le pasteur Moussa Moupassa? Vous n'êtes pas extraterrestre, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une histoire particulière, une relation, vu qu'on parlera de relation, une relation particulière avec le Seigneur. Exactement. Ma relation avec Dieu remonte à 31 ans de cela. Mm-hmm. J'étais encore adolescent. Et je l'intitule généralement « Où vas-tu ?» Parce que quelqu'un qui n'a pas de repère est quelqu'un qui ne sait ni où il va, ni où il atterrit. Donc, j'étais l'aîné de la famille, je suis l'aîné de la famille, d'une famille, et je me sentais perdu. Mm-hmm. J'essayais de combler ce vide par toutes sortes de choses. Déjà très jeune, à l'âge de 12 ans, j'étais dans les bars, je fumais, et je m'arrivais même de vendre certains articles de la maison sans demander la permission. Hein, c'est ce qu'on appelle politiquement du vol, mm-hmm. mais c'était ça. Donc, il y avait toutes sortes de déboires. On va dire que c'est la vie d'un jeune adolescent, mais à un moment donné, il y a des limites. Et à un moment, toutes ces choses n'arrivaient pas à remplir mon cœur. Okay. Les prostituées ne suffisaient pas. La boisson, la cigarette, les bars, les boîtes n'étaient pas assez. Mmh. Alors, un beau jour, j'étais à la maison familiale et je sentais ce vide fortement en moi. Il y a quelque chose qui m'a dit, sors de la maison. Je sors de la maison
Et je commence à marcher et il y a une voix que j'entends dedans de moi qui me dit, où vas-tu? Est-ce que tu sais où tu vas? Je dis, je ne sais pas. Alors cette voix me redit encore, si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi continuer? C'est là que je me suis dit, la chose la plus raisonnable à faire, c'est de m'arrêter, de faire demi-tour. Et je me suis mis à faire demi-tour vers la maison. Mais cette même voix me dit, je sentais au-dedans de moi, c'est pas vers la maison que je dois aller. J'ai dépassé la maison, je me suis dit, je veux aller visiter un ami. Et dans l'audience, il y a les sœurs de cet ami qui sont là. Et je me dis, je veux aller le voir pour la première fois. J'avais à peu près une idée de son adresse et je vais chez eux. C'était un après-midi, un dimanche après-midi. Je frappe dans le portail, il n'y avait personne. Il y a une voisine qui me demande, mais vous les cherchez à cette heure-ci, ils sont tous à l'église. Je dis, à l'église? Quelle église comme ça, il fait chaud comme ça? À Kinshasa, vous êtes à l'église en pleine chaleur et accablante. Je dis, je suis curieux de savoir où se trouve l'église. Alors la voisine me dit, non, c'est pas très loin, vous traversez, vous allez trouver l'église. Elle m'a indiqué, je suis arrivé et je me tenais à la porte. Alors, un membre du protocole m'a dit, non, mes frères pouvaient entrer. Je me suis dit, waouh. Je voyais la joie, les gens chanter, louer le Seigneur. Et à un moment donné, on a fait cet appel au salut. Et je l'avais déjà fait il y avait quelques mois. Okay. Pour rentrer un peu en arrière, il y a quelques mois de cela, un ami m'avait invité dans une campagne d'évangélisation à l'Athénée de la Gombe. Alors, c'était une cellule de la borne qui le faisait, AEG, à l'époque. Et il m'invite et je lui dis, écoute, tu sais, moi, je me promène pas quand il fait chaud. Il faut que le soleil baisse. Donc, ton 14 heures là de... Non, moi, j'arriverai vers 17 heures. Et j'arrivais à ces heures là. Mais ce qui m'a surpris le premier jour de la campagne d'évangélisation, c'est de voir des jeunes louer le Seigneur. Pas n'importe quel jeune, des jeunes issus de familles nanties. Parce que je connaissais la plupart. Des fils de généraux, de colonels, de ministres. J'ai dit, mais lui-là, je le connais, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dit, non, c'est pas vrai. Tel est converti. Et dans mon cœur, j'étais, mais si eux, ils peuvent changer, moi aussi, je peux changer. Quand on a fait l'appel, je suis allé. J'ai répondu à cet appel et je me suis dit, je veux changer par mes propres forces. J'ai commencé à essayer d'arrêter les choses, mais au bout de 3 semaines, je suis retourné dans tout ce que j'avais fait. Alors, pour revenir à cette histoire, je me retrouve dans cette église avec le même appel. Je me dis, cette fois-ci, je ne veux pas le faire de mes propres forces. Seigneur, tu vas vivre cette vie en moi. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait 31 ans et il m'a soutenu tout le long. Maintenant, depuis ce moment, je sais où je vais. Parce que c'est lui le pilote de ma vie. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Je l'ai toujours dit... Chacun de nous a une histoire particulière, une histoire d'amour avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'était l'histoire de notre invité, le pasteur Moussa. Demain, ça sera également ton histoire. Déjà aujourd'hui, l'Éternel va utiliser son serviteur qui, un jour, on l'a parlé de Jésus. Il a accepté d'ouvrir son cœur pour que le Christ fasse son entrée. Aujourd'hui, les pasteurs Moussa va les faire également pour vous aider également à entrer dans cette grande famille. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Nous allons, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ce programme, nous allons parler de réussir ses relations. Réussir ses relations, et comme texte de référence, nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 15. Nous prendrons également Jacques chapitre 1, le 19e verset. Mais avant cela, le premier cantique. Le nom qui sauve, c'est le nom de
c'est le nom de Yeshua. Oh Yeshua, le nom qui guérit, le nom qui sauve, c'est le nom, c'est le nom. Que nous puissions dire ça ensemble, Yeshua. Oh, le nom qui guérit, le nom qui guérit. C'est le seul nom qui sauve, le nom de Jésus. Et, oh, Elohim Adonai Sabaoth, Yeshua. Nous avons le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Mesdames et messieurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il est présent dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Moi, je vous demanderai de vous installer confortablement. Prenez vos Bibles, vos calepins, prenez également vos stylos parce que nous allons rester dans la parole de Dieu. Réussir ses relations, Jean 15:15, Jacques chapitre 1er, le verset 19. Il y aura d'autres références bibliques et l'homme de Dieu, le pasteur Moussa Moupassa, qui pourra nous les donner au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette émission. Réussir ses relations. Pasteur Moussa. Les relations ici, c'est au pluriel. On veut parler de quelles relations? Maman Dorcas, les relations sont tellement importantes que si nous passons à côté de cela, on passe à côté de notre vie. Quand on parle de relations ici, on veut parler de relations interpersonnelles, mais même au-delà. Okay. On parle de relations avec nous-mêmes,
C'est souvent une relation qu'on ignore, mais qui peut déterminer beaucoup de choses dans nos vies. Notre réussite ou notre échec. Mm-hmm. On parle de relations avec les autres, nos vis-à-vis. On parle aussi de relations avec Dieu, qui est très important. Dans mon livre, je le dis que le bonheur, je définis le bonheur comme étant une relation à triple dimension. Okay. Avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas comment avoir une relation avec eux-mêmes. Mm-hmm. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Ils ne sont pas conscients de leurs particularités. Il y en a beaucoup qui s'auto-critiquent à l'excès. Ils détruisent même leur estime d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui savent pas être avec, en harmonie avec les autres. Mm. Et il y en a d'autres qui ignorent ou qui négligent leur relation avec Dieu. J'ai vu dans l'église beaucoup de gens qui ont une relation avec Dieu mais qui sont malheureux. Avant, je me posais la question, mais comment est-ce qu'on peut être en relation avec Dieu et être malheureux? C'est possible. Parce qu'on n'est pas équilibré. La relation avec Dieu ne suffit pas. On a besoin d'une relation avec les autres et une relation avec soi-même. Mm-hmm. On va d'abord expliquer ce mot. Mm-hmm. Et comment vous, ou je ne sais pas si la Bible définit ce mot relation, mm-hmm. mais comment le pasteur Moussa définit? Qu'est-ce qu'une relation? Une relation, c'est le fait de lier une personne à une autre, une entité à une autre. C'est un lien qui se crée. Voyez? Mais maintenant, dépendamment de la profondeur de ce lien, c'est là que le lien se solidifie. Je peux vous rencontrer en route et je vous dis un bonjour, vous répondez à ce bonjour, c'est déjà une relation là. OK. Mais le lien n'est pas fort. On peut facilement se détacher. Mm-hmm. Mais quand je commence à entrer en vous demandant votre nom, en demandant si vous êtes marié, en demandant quel est votre but dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les 5 ans, je suis en train d'entrer en profondeur. Mm-hmm. Et quand vous me retorquez les réponses et que vous me demandez les mêmes questions, il y a des liens qui se tissent. Comme ça qu'on va parler des liens d'âme. Mais ça, c'est encore une autre profondeur. Mm-hmm. Donc, il y a des dimensions, mais les relations, c'est simplement un lien entre deux ou plusieurs entités. Alors, cette relation, même moi, je l'ignorais, que vous avez cité en disant la relation d'abord avec moi-même. Mm-hmm. Maman Dorcas doit être en relation avec elle-même. Mm-hmm. C'est quoi les liens que j'ai avec moi, si je peux poser la question? C'est un lien puissant, un lien très puissant, parce que le lien que vous avez avec vous, vous définit, vous présente comme étant l'autorité légale sur votre vie. OK. Le mot « je » est puissant. Rappelez-vous, quand Moïse va demander au Seigneur « quel est ton nom ?» Il dit « tu leur diras mon nom et je suis. » Le verbe « être » est un verbe sacré qui vous identifie. Et quand vous mettez « je suis », il y a quelque chose qui se passe dans tout votre système. Il y a une énergie qui se transmet. Voyez ? Quelqu'un peut vous dire quelque chose, mais tant si longtemps que ce n'est pas vous qui l'avez dit, cette chose ne peut pas vraiment s'établir. Okay. C'est pour ça que l'ennemi va vous suggérer des pensées. Mais quand vous l'adoptez et vous dites « je suis malade, je suis minable, je suis pauvre », c'est là que ça s'établit. Il y a une création qui se fait quand nous sommes en relation avec nous-mêmes. La personne qui peut vraiment détruire notre vie, c'est nous-mêmes. C'est même pas le diable. Le diable va vous donner une épée, mais c'est vous qui allez enfoncer cette épée en vous. Comment vous le faites? C'est dans votre relation avec vous-même. Comment vous pensez sur vous? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Quand vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous venez d'échouer, ou que vous venez de perdre de l'argent, vous venez de perdre un marché, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Votre discours intérieur est très déterminant sur la suite des choses dans votre vie. Là, au moins, je veux pas beaucoup tarder là-dessus, mais je vais poser cette question pour aider les personnes qui nous suivent. Mm. Parler peut-être de maman Dorcas ou de frères et sœurs qui sont là. Mm-hmm. On se voit, on est déjà adulte, on peut déjà se faire une idée de ce que nous sommes ou de ce que nous voulons être. Mm-hmm. Mais retournons vraiment en arrière, soyons vraiment ces petits enfants qui ne connaissent rien, qui sont encore innocents. Mmh. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, moi, personnellement, je me dis, c'est aussi
l'impact ou l'influence de ce que nos parents, notre environnement ou notre entourage a défini par rapport à nous, l'image qu'ils nous ont donnée. Il y a des parents qui insultent tout le temps leurs enfants. Les enfants grandissent avec ça. Tout à fait. Il y a des professeurs, des enseignants qui insultent tout le temps les élèves aussi. Ils restent avec ça. Mm-hmm. Quand on te dit tu es zoba, tu enregistres. Oui. Tu restes zoba. Mm-hmm. Et parlons un peu de ces enfants-là qui, eux, ne peuvent pas se définir. En fait, ces enfants ne savent pas qu'ils ne peuvent pas se définir. Ils ont besoin d'une révélation. OK. C'est vrai que quand ces genres de paroles, ce genre de qualificatifs viennent d'une personne qui est en position d'autorité sur vous, c'est sûr que ça a un impact. On ne va pas négliger l'impact quand les paroles... Moi, je me rappelle très tôt, je l'ai même dit dans mon livre, quand j'étais en première primaire, j'avais une institutrice qui me disait, qui m'appelait paresseux, parce que j'avais l'habitude de rêver. C'était peut-être que Dieu qui déposait déjà la capacité d'avoir des visions, mais j'étais là en train de, en anglais on appelle ça daydreaming, vous êtes en train de rêver, rêvasser comme ça. Il disait, tu es paresseux, tu es sot, et tout ça. Et ce sont des choses qui sont restées. Mon nom est Moussa, et les amis avaient l'habitude de me taquiner, de dire, Samoussa, à la récréation. C'était dur tout ça, mais seule une parole peut renverser une autre parole. Ok. Alors, le petit enfant qui commence à apprendre, c'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose, ça vient comme un filtre. Vous savez, c'est une parole qui vient de l'extérieur, mais quand l'enfant accepte cela, cette parole devient actée. Mais maintenant, l'enfant peut défaire cela par sa propre parole, par son propre choix, par sa propre décision. Je refuse cette identité. Oui, papa m'a dit Zoba, je ne suis pas Zoba, je ne suis pas bête, je suis intelligent parce que je viens de lire dans la Bible que Dieu a dit que je suis une créature si merveilleuse. Mmh. Ouais, je répète ce que Dieu a dit parce que c'est lui la véritable bouche autorisée. Vous savez, l'autorité est toujours dans le droit d'auteur. Celui qui a constitué qui a fabriqué le véhicule Toyota. Mm-hmm. C'est lui qui a l'autorisation vraiment légale de réparer toute voiture Toyota. Parce que c'est le manufacturier. Celui qui a créé l'être humain, c'est Dieu. C'est lui qui a cette autorité de vraiment le définir. Ne laissons jamais n'importe qui nous définir. Même nos parents n'ont pas vraiment le droit de nous définir. Non. Mm-hmm. C'est Dieu qui nous définit. Donc, toute définition que qui que ce soit nous donne qui n'est pas en harmonie avec le manufacturier, nous sommes en droit légal de le rejeter et de nous réaligner à ce que le manufacturier dit. Donc, ce petit enfant, dès qu'il comprend cela, peut refuser les paroles qu'on lui a dites son père, son enseignant ou qui que ce soit en droit d'autorité et s'aligner à ce que Dieu dit de lui et l'adopter comme étant sa parole. Mais maintenant, ce qui est puissant, c'est que ce que lui, il dit a plus d'autorité parce que c'est le jeu. Dieu lui a confié sa vie. Donc, notre propre vie, notre relation avec nous-mêmes est un lien très fort. La relation, les liens avec nous-mêmes, c'est quelque chose de très fort. Alors, des fois, on se néglige, des fois, on se sous-estime, on se dit, ben, nous sommes venus accompagner les autres. Non, personne n'est venu accompagner qui que ce soit. Chacun de nous est particulier. Chacun de nous a une particularité que l'autre n'a pas. Alors, relation avec les autres, ça, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Que ça soit au niveau de la famille, avec les collègues des services. C'est compliqué, mais je le dis dans la conclusion de mon livre. C'est compliqué, mais c'est possible. OK. Vous savez, Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile. Il a promis que ça serait possible. Mais souvent, nous entrons dans ce modèle de facilité. C'est-à-dire, dès que c'est difficile, c'est que c'est impossible. Mmh. Non. Ça peut être difficile, mais c'est possible. Comment ? En nous alignant aux principes de Dieu. Vous savez, j'ai eu beaucoup de... Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait, mais comment tu fais pour être ami avec telle personne? Elle est difficile. Alors, j'ai dit, oh, pourquoi tout le monde se plaint sur mes amis, mon ami ou quoi? Mais comment moi j'arrive à être avec cet ami? Et j'ai compris, c'est parce que j'ai compris les outils et les principes pour fonctionner avec cette personne, quoi qu'elle soit difficile. Okay. Parce que regardez ce qui se passe.
La première réaction que nous avons quand quelqu'un est difficile, c'est de la rejeter. Parfois, le problème n'est pas de changer des relations. Nous, on va changer toutes les relations. On est 7 milliards d'habitants. Vous allez aller de personne en personne et vous risquez de vous retrouver seul. Il y en a personne qui est parfait. Parfois, ce n'est pas de rejeter la personne avec qui nous sommes en mauvaise relation. Parfois, c'est simplement de trouver les outils pour fonctionner avec cette personne. Et vous, vous connaissez ces outils? Les outils sont disponibles. Dieu a établi des outils. Parce que les relations sont régies par des lois, par des principes. Mais nous voulons entrer dans des relations de façon aléatoire. Nous voulons entrer dans les relations de façon circonstancielle. Si je vous pose la maman Dorcas, c'est pas moi qui pose les questions, je sais que c'est vous. Heureusement que vous le reconnaissez. Hein? Si je vous pose la question, la plupart de vos relations, comment vous êtes entré dans ces relations? Vous verrez que votre réponse sera de façon circonstancielle. Ah, telle personne a été à la même église. Telle personne en a grandi dans le même quartier. Telle personne, on a été à la même école. Ça suffit pas pour ça, être c'est vrai, en relation. Hein? Ça, c'est vrai. Je reviens de Brazzaville. Il y a des relations que, c'était dans cette circonstance-là, vous avez raison. Ce n'est pas assez. Mais maintenant, c'est plus tard qu'on est dans la relation qu'on réalise, « Ah, ça ne marche pas avec cette personne. Comment c'est compliqué? Comment je fais pour être avec cette personne ?» Mais parce qu'au début de la relation, vous n'avez pas défini, vous n'avez pas mis les limites, vous n'avez pas pensé que « Est-ce que vous êtes compatible ? » Est-ce qu'on a fait un test ? Est-ce qu'on a vu si on était complémentaire ? Dans le texte que nous avons dans Jean 15:15, Jésus-Christ le dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Donc Jésus est en train d'entrer dans une profondeur dans cette relation. Il dit, j'ai compris qui vous êtes. Il y a une révélation de qui vous êtes. Maintenant, je peux partager mon intimité avec vous. Je peux partager des informations privilégiées avec vous. Mais ça vient au fur et à mesure que vous côtoyez, que vous restez avec la personne. Oui, mais non aussi. Il y a certaines personnes que vous pouvez déjà, par leur réputation, savoir si cette personne peut marcher avec vous. Au début, quand nous sommes en relation, avant de tisser des liens forts, évaluons d'abord s'il y a des bases solides. Et souvent, nous sautons directement comme ça. Et c'est après qu'on va découvrir que c'était un requin. Regardez ce que Adam fait dans le livre de la Genèse. Dieu lui donne la mission de nommer les animaux. C'est étrange. Quand il rencontre Ève, il dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il reconnaît Ève. Il n'a même pas cheminé avec elle. Mais il voit une correspondance intérieure d'abord et extérieure. C'est pour ça qu'il peut maintenant marcher avec elle. Mais avant de reconnaître son vis-à-vis, quelqu'un qui lui correspond, intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire quelqu'un qui lui correspond dans son esprit, dans son âme et dans son physique, Adam avait déjà fait un exercice. La Bible le déclare, voici cette fois-ci. Donc, il y avait d'autres fois. C'était quelle autre fois? Est-ce qu'il y avait d'autres êtres humains? Non, il y avait d'autres relations. Adam avait eu le mandat de nommer les animaux. Il a eu le temps d'aller voir la guenon. Il a dit, non, celle-là ne me correspond pas. Elle fait que sauter dans les arbres et tout ça. Je peux pas être avec elle. Il a vu la lionne. Il a dit, non, celle-là, un jour, elle va me dévorer. Mmh. Il a vu le rat. Il a vu la chienne. Il a vu ceci. Il n'a pas vu son vis-à-vis. Il a observé. Il a questionné certaines choses. Prenons le temps d'observer. Prenons le temps de questionner s'il y a une correspondance, s'il y a une complémentarité. Relation avec les autres. Dans les autres, je vois également nos frères et sœurs nés d'une même famille. Celle-là, s'il y a des choses compliquées, c'est ce côté-là. J'ai tout un chapitre sur ça. Parce qu'en réalité, ce sont des relations qu'on ne choisit pas. On les a trouvées là. Il y a des gens, tu te dis, ah! Lui, là, c'est seulement le sang qui nous lie, mais en tout cas, si c'était pas le sang, je sais pas qu'est-ce que je fais avec cette personne. Mais Dieu a un plan. Vous savez quoi? J'ai compris une chose et je me suis toujours défini comme ça. J'ai des gens de ma famille qui sont ici. Il y a un moment donné, j'ai dû me redéfinir. Comment? Mon nom de famille est Mupasa. Pour moi, je ne suis pas un Mupasa. OK. Ça peut être choquant. Mon défunt père pourrait se retourner de Satan, me dit, mais comment tu es en train de régner ta famille? Non. Je suis de Dieu, envoyé dans cette famille. Je ne suis pas de cette famille. Je suis de Dieu, envoyé dans cette famille, Mupasa, pour une mission. Yes. Mais si vous vous présentez comme étant, je suis de telle famille, tous les problèmes de cette famille viennent sur vous.
Tous les sorciers du village. Ça vient sur vous. Tous les liens familiaux. Ça vient sur vous. Parce que ça devient votre origine. Ce n'est pas votre origine. Votre origine, elle est divine. Amen. Il faut aller très haut. J'aime les Chinois parce que les Chinois, quand ils donnent leur âge, normalement même dans le calendrier chinois, vous n'êtes pas né le jour de votre naissance. Non. Votre vie n'a pas commencé là. Les scientifiques vont dire que vous êtes né à la conception. Mais en réalité, on a tous été créés en Adam, en un seul jour. Dieu a créé tous les êtres humains en un seul jour. Mais on s'est manifesté en des périodes différentes, en des saisons différentes, selon notre destinée. Alors, les relations familiales viennent maintenant, il y a tout un bourbier, il y a toutes sortes de complications. La Bible déclare, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, on entre dans des familles, parfois vous êtes issus, je sais pas, d'un viol, vous entrez, il y a toutes sortes de choses, vous trouvez l'inceste, vous trouvez toutes sortes de complications dans les familles. Mais regardez, et je le dis même dans mon livre, que la genèse des relations dysfonctionnelles, c'est la famille. Là où toutes les relations difficiles, dysfonctionnelles, commencent dans la famille. Toutes les familles de la terre sont dysfonctionnelles, y compris la mienne et surtout la première famille de la terre. C'est là qu'on a vu le premier meurtre. Oui. C'est là qu'on a vu le premier blâme. C'est là qu'on a vu toutes sortes de déboires. Mais regardez quelle est la bonne nouvelle. Dieu se plaît à utiliser des gens issus de familles dysfonctionnelles. Donc, il y a de l'espoir pour vous et moi. Amen. Mais maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ces membres de famille avec qui c'est compliqué? Dieu nous révèle ceci. C'est qu'il nous donne une famille pour nous préparer pour notre destinée. Okay. Si tu survis à ta famille, tu survivras à ta destinée. Si ta famille te tue, qu'est-ce que tu vas faire avec ta destinée? Tu es foutu. Mm. C'est un camp d'entraînement. Ce n'est pas la fin. Répondez à cette question rapidement. On va prendre le deuxième cantique. Camp d'entraînement et qui est notre entraîneur? Le Saint-Esprit. Lui qui a cédulé cet entraînement. Et il sait quand ça va finir. Il sait pourquoi vous avez une belle-mère sorcière qui vous a toujours fait des injustices. Il sait pourquoi votre grand frère vous a abusé quand vous étiez petit. Il sait, il était là, mais il t'a préparé parce que cela est lié à ta destinée. Si cela t'a pas tué, tu es encore vivante aujourd'hui, c'est parce que tu as survécu pour une raison. Et c'est Dieu qui t'a gardé. J'ai posé cette question, la réponse à notre coach, notre entraîneur, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vit pas dans tout le monde. Il vit pas dans tout le monde, mais la bonne nouvelle est ceci. Je vous ai dit, je me suis converti il y a 31 ans. Mais j'ai réalisé en regardant ma vie, le Seigneur était déjà en train de m'appeler il y a plus de 31 ans de cela. Quand une âme donne sa vie à Jésus, c'est pas là que ça commence. Le Saint-Esprit a déjà commencé à l'attirer au moment où il avait fait un accident, au moment où il avait perdu ses parents, au moment, c'était le Saint-Esprit qui était en train de guider ses pas. C'est là quand je regardais en arrière, je commençais à reconnaître ses pas. Dans ma tendre enfance, il était là. Quand mes parents n'arrivaient pas à avoir un enfant pendant 3 ans, c'était lui qui était là, qui avait fermé le sein maternel pour amener cet enfant. Et à un moment, quand je suis tombé malade à 2 ans et demi, où ma mère pensait que j'allais mourir, c'est le Saint-Esprit qui m'a guéri. Cette même maladie qui est revenue à l'âge de 17 ans, c'était lui encore qui me préparait dans toutes ces choses. Vous pouvez retracer les pas de Dieu. Le Saint-Esprit a toujours été là. Le Saint-Esprit a toujours été là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La question, je l'ai posée, c'était pour vous, parce que tu peux te dire, mais moi, je n'ai pas encore donné ma vie à Christ. Moi, je me déclare encore de telle famille, de telle tribu, de tel clan. Mais on te fait comprendre que Dieu te connaît. Et le Saint-Esprit a toujours été là. C'est lui qui te guide. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es là devant l'écran pour suivre ce programme, car c'est ton jour, c'est ton heure. Deuxième cantique. Elle est poète,
Merci beaucoup à notre frère Nathan, Jordi et à tout son groupe. Réussir ses relations, mesdames et messieurs, c'est notre thème de ce jour. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Moussa du ministère Parole de Destinée. Nous sommes en Montréal. Je ne sais pas si à Kinshasa il y en a déjà. Il y a peut-être ses ministères également ici. On va en parler vers la fin. Il va nous donner le programme, son numéro de téléphone. Si vous aurez des questions à poser, il est mieux placé pour vous répondre. En parlant de relations avec les autres, j'aimerais bien que vous puissiez placer quand même un mot. Là, j'entre dans une relation amoureuse. Mari et femme. Je me rends compte qu'aujourd'hui à l'église, on enregistre tellement de divorces. Les païens se marient avec tout ce qu'ils vivent, mais au moins ils restent avec le même partenaire autant d'années. Mais quand on arrive du côté des chrétiens, on se marie le week-end, le week-end prochain, le problème commence, il y a la sœur qui rentre, il y a les frères qui partent, il y a... Comment on a du mal à se gérer? Quoi faire, vous qui avez les outils, hein, pasteur Moussa? Comment faire pour réussir également cette relation? La relation du mariage est très importante. Mais je dois dire une chose, échouer son mariage ne veut pas dire que vous allez échouer votre destinée. Parce qu'il y a beaucoup, je tiens d'emblée à le dire, parce que beaucoup, ça n'a pas marché, et ils se disent, est-ce que je suis digne encore? Ça n'a pas marché parce qu'on s'est mal marié, ça n'a pas marché. Peu importe les raisons. Mais si vous êtes encore en vie, Dieu n'a pas fini avec vous. Vous savez, maman Dorcas, dans notre société, hein, on a tendance à vouloir préserver la relation aux dépens des gens qui sont constituent la relation. Mais Dieu, dans sa pensée, veut plus sauver les gens que sauver des relations. Ok. Voyez, il y a des moments quand rien n'est faisable, Dieu veut qu'on sauve quand même les individus. Je donne un exemple biblique. Il y a quelqu'un qui me posait la question, est-ce que Dieu est pour le divorce et toutes ces choses. Il me talonnait sur les médias sociaux. Il voulait que je déclare des choses. Je dis, bon, lis la Bible. La Bible est claire. Mais j'ai dit, il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit une fois qu'on est venu le voir. Il dit, mais Moïse nous a donné la permission de lui donner une lettre de divorce à nos épouses. Qu'en est-il de cela? Jésus répond, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la méchanceté de vos cœurs que Moïse vous a donné ce droit-là. Parce qu'il n'était pas question que ça finisse. Mais qu'est-ce qui se passait? La nation israélite était jeune. Et la plupart de ces hommes, quand ils n'étaient plus leurs femmes, ils les abusaient, ils les négligeaient. Au point que ces femmes finissaient par mourir. Et Moïse, pour préserver la petite nation, parce qu'imaginez-vous une nation où on commence à tuer plein de femmes, qui va enfanter, qui va élever les enfants? C'était un danger. Alors, on a trouvé une circonstance atténuante. On dit, écrivez ne fût-ce qu'une lettre de divorce, débarrassez-vous de la femme pourvu que la femme vive. Vous voyez? C'est important de comprendre l'esprit derrière les Écritures. La pensée même du Seigneur derrière. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les mariages chrétiens n'aboutissent pas. En Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle the Bible Belt, où vous avez des milieux très évangéliques, des enfants qui grandissent dans l'église, et parfois, pour leur éviter l'impudicité, on les pousse dans les mariages. Au lieu de brûler, mariez-vous. Mais vous vous mariez dans quel état? Est-ce que vous êtes mature? Le mariage est pour les matures. Déjà, si vous êtes immature en vous mariant, c'est déjà une cause d'échec. Vous vous mariez pour quel but? On se marie pas pour soi, on se marie pour glorifier Dieu. Une fois, j'étais en train de bénir un mariage et les gens n'ont pas dit amen. J'ai dit, le mariage n'est pas d'abord pour votre plaisir. Personne n'a voulu dire amen. J'ai dit non. C'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu. Ouais. Quand Dieu trouve son compte, vous allez trouver votre compte. C'est clair. Que lui d'abord se réjouisse et vous, par ricochet, les retombées vont tomber sur vous.
Mais combien mettent encore Dieu en avant? Aujourd'hui, on a le modèle hollywoodien. Si je trouve pas mon compte, je m'en vais. Mais regardez, dans beaucoup de mariages chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Les gens, au lieu de travailler sur soi, préfèrent changer de partenaire. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui parfois regrettent et disent, si j'avais su ce que je sais maintenant, je me serais peut-être battu et j'aurais peut-être changé les choses. Ça, ce sont des cas. Mmh. Mais il y a des cas, c'est autre chose. Vous voyez? Alors, dans le cas du mariage, il faut comprendre que le mariage est une institution divine. C'est pas une affaire d'homme. C'était pas une idée humaine. Mmh. C'est une idée divine. Alors imaginez-vous, maman Dorcas, vous allez entrer dans quelque chose que quelqu'un d'autre a créé et vous allez le vivre à votre manière et réussir? Je ne pense pas. Combien prennent le temps de comprendre pourquoi Dieu veut cette affaire et comment je dois fonctionner dedans? Très important. Ben c'est à vous de nous en parler aussi, hein. Lorsque les couples viennent se présenter devant vous, mmh. frère Rigobert vient vous dire, pasteur, je vais me marier avec la sœur Mireille, c'est mmh. elle. Prenez aussi le temps de... Tout à fait, mais beaucoup veulent... On passe beaucoup plus de temps à former, à insister, à parler de la femme, à parler de la soumission, mmh. mais on ne dit pas l'essentiel. Oui, c'est un fait. À l'homme, on ne dit pas comment également il doit se comporter dans le mariage. Et ça, c'est une suite logique de nos coutumes ici. Dans nos coutumes, surtout quand on élève un homme ici en Afrique, on ne lui dit pas tout, on le laisse faire, mais les femmes, on les protège plus. Ne fais pas ceci, ne ferme pas cela, ferme tes jambes, croise tes bras, ta robe, ceci. Mais à l'homme, on lui dit pas, on valorise même un homme qui est en train de se dévergonder, dire, ah, tu es un homme. Mais qu'est-ce que ça va faire dans la suite? Ils sont pas enseignés. Ils sont pas éduqués. Parce que les relations qu'on devrait avoir, et c'est pour ça que j'aime le texte de Jacques, chapitre 1er, verset 19, soyons lents à parler. À parler. Prompt à écouter. Et lent à se mettre en colère. En colère. Ce sont des principes fondamentaux pour réussir les relations. Juste ça, là, ça vous sauve un mariage. Au fait, le Seigneur est en train de nous dire, ne soyez pas seulement en relation avec vous-même. Ne soyez pas seulement en relation avec les autres. Ne soyez pas seulement en relation avec Dieu, mais soyez en relation avec mes principes. Ok. Ok. Beaucoup ne sont pas en relation avec les principes de Dieu. Mm. Si tu es en bonne relation avec les principes de Dieu, ça va préserver tout ce que tu bâtis. Mm. Et violer les principes de Dieu vont t'éloigner du jardin. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, on les a mis dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les interdits. Ils ont violé les principes. On a mis des chérubins protecteurs pour qu'ils ne puissent pas vivre éternellement. Ils sont allés au-delà. Et à chaque fois que nous sommes en désharmonie avec les principes de Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe? On nous chasse de notre territoire. Si ton territoire c'était le mariage, tu sors de là. C'est même pas, non, c'est un principe, tu vas sortir de là. Si c'était les finances, tu ne respectes pas les principes, les lois des finances, tu vas sortir de là. La pauvreté va te suivre. Tout ce qui est régi par les lois a cette fonction-là. De rejeter toute personne qui n'est pas en harmonie avec ses principes. Donc aujourd'hui, combien de gens vont d'abord se marier? Marie-toi d'abord avec les principes du mariage, avant de te marier avec l'enfant d'autrui. C'est clair. Là, il n'y a pas d'amen, hein. Il y a un seul amen oui, qui est sorti de ce côté. De l'autre côté, là, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Hein, allez-y, méditez Jacques, chapitre 1er, le verset 19. Mm-hmm. Sachez-le, mes frères bien-aimés, il vous appelle d'abord mes frères, il vous appelle encore bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et aussi lent à se mettre en colère. Toyoka. Oyoka. Zala prêt à koyoka. Koulobate. Et puis kosilikate. Kandeya ka omba omba ngote. La lenteur. Feyaka malembe. Feyaka malembe. Mais dans les couples aujourd'hui, quand l'homme s'élève pour parler, la femme aussi. Uh-huh. Et puis on ajoute aux abissons soban à 1900. Moutabank samuningate. J'ai même entendu une femme qui disait,
Même si aujourd'hui il décidait de me laisser, je suis encore trop belle. Ah bon? Toi, c'est ta beauté qui t'a donné le mariage. Plus belle que toi, là. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore célibataires. Hein? Plus belle que toi, jusqu'à aujourd'hui. L'homme dira, moi, c'est mon argent. Ah. Allez-y, méditez Jacques 1, verset 19. Relation avec Dieu. Ah. Il est déjà notre Père, nous sommes déjà ses enfants. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. Il est venu comme Fils unique, il est rentré comme l'aîné de tous. C'est pas suffisant. Avec Dieu, il y a des dimensions. Avec Dieu, il veut pas juste que nous soyons ses serviteurs. Il veut une intimité. Et dans cette intimité, il nous réserve beaucoup de choses. Il dit, ce ne sont pas des choses que l'œil a vues, ni des choses que l'oreille a entendues, ni des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme, mais qu'il a réservées à ceux, C-E-U-X, ceux, ça vient de nous, ceux qui aiment Dieu. Jusqu'où vas-tu aimer Dieu? Paul a dit, ni la mort, ni les anges, ni les trônes. Mais aujourd'hui, on a un amour conditionnel avec ce Dieu-là. On l'aime quand tout va bien. Quand tout va mal, il devient Père Noël. On lui donne même des ultimatums. Oui. Si dans 2 ans, je ne marie pas, en tout cas, je déchire ma Bible. Si dans 6 mois, je ne voyage pas, en tout cas, Seigneur, je te laisse. Hein. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est quoi? Il ne regarde même pas tout ça. Si vous avez un enfant de 2 ans qui vous dit, tu n'es plus ma maman parce que tu ne m'as pas donné le biscuit. Ça ne vous dit rien parce qu'il est mature. Dieu sait qu'il y a une dimension que tu n'as pas atteint. Le jour où tu atteins cette dimension, il est ton père, il te veut toujours. Mais il veut que Dieu est plus engagé à ton caractère qu'à ton confort. Okay. Dieu veut faire de toi un fils pour te responsabiliser, te donner tous ses biens. On ne donne pas des responsabilités à un enfant. Un enfant, même s'il est enfant de son père, est toujours sous tutelle tant si longtemps qu'il est enfant. Et un enfant est susceptible à l'oppression. Un enfant est susceptible au joug. Mais Dieu veut qu'on grandisse. Grandir fait mal. Aujourd'hui, on veut juste nous prêcher tout ce qui est bon. Non, on veut pas nous prêcher le message de la croix où ça fait mal de grandir. Jésus n'a pas caché. Hein? Si tu veux me suivre, porte ta croix, renonce à toi-même. Il n'a pas mâché ces mots. Il n'a pas dit ce sera facile. Il a dit ce sera possible. Il y a quelque chose que je réserve à ceux qui me suivent dans cette dimension de maturité. Aujourd'hui, où sont les fils? Je regarde la nation congolaise. Mais le cri de mon cœur, le cri du Seigneur est celui-ci. Cette nation attend avec un ardent désir la révélation et la manifestation de ses fils. Yes. Où sont les fils de la RDC? Où sont les fils de ce territoire? Sans les fils, rien ne bouge. Rien ne se fait. L'oppresseur a le droit légal de dominer tant si le temps que les fils ne se sont pas manifestés. L'oppression peut encore régner dans nos familles, peut encore régner dans notre santé, peut encore régner dans notre entourage, tant si longtemps qu'on n'arrive pas à cette dimension de fils. Et le fils, nous l'atteignons dans une relation d'intimité avec le Père. Christ est venu comme fils pour faire de nous des fils. Mais beaucoup veulent rester enfants, parce que c'est confortable. Rester enfant, c'est bien, il y a moins de soucis, pasteur. Oui, c'est bon. On fait tout pour vous. Dieu veut que nous devenions des fils pour qu'il nous responsabilise. Nous, on n'aime pas des responsabilités. C'est comme ça qu'on va toujours être esclave. L'esclave n'a pas de responsabilité. Est-ce qu'on se plaît que toujours quelqu'un doit nous dicter quoi faire? Vous savez, un esclave, vous savez ce qui est difficile d'être esclave, c'est que l'esclave n'a pas de volonté. On te dit quand dormir. On te dit quand faire quelque chose qui est normal pour toi. Tu n'as plus de droit. Ce n'est pas une vie.
C'est pas la vie que le Père a pour nous. Ah non. Ah non. Alors, comment... Bon, je vais la poser quand même comme ça. C'est vrai, vous aviez dit qu'il faudra respecter les principes. Mais si aujourd'hui, le cœur qui nous suit veut rendre sa relation avec Dieu, que cette relation soit vraiment une relation très intéressante, une relation très, très, très approfondie, quoi faire en un ou en deux mots? Quoi faire, c'est s'aligner au modèle qui est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'est pas seulement le modèle, c'est la porte, c'est le chemin, c'est la vie. Il est le grand frère. Amen. Il est celui qui nous trace le chemin. Il est le second Adam. Là où ça n'a pas marché avec le premier, Jésus-Christ a réussi. Amen. Vous savez, le grand problème, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Image et ressemblance n'est pas la même chose. Mm. Tu peux changer ta ressemblance. Ressemblance, c'est toi qui décides à qui tu veux ressembler. Qui tu veux suivre comme modèle. Mais aujourd'hui, Dieu te donne un modèle, Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Mm. Aujourd'hui, tu veux faire des musiciens ton modèle, tu vas faire d'un pasteur ton modèle. Assure-toi qu'il fait de Jésus son modèle. Jésus-Christ est notre seul et unique modèle. Voilà pourquoi quand on prend un pasteur, un chanteur comme modèle, on finit toujours par être déçu. Parce que l'homme nous décevra toujours. L'homme de soi, il trahit. Et l'homme trompe, n'est-ce pas? Pasteur Moussa, nous allons donner également l'occasion à cette personne qui nous suit. Là, je vous demande de regarder votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Il y a un cœur qui, avec le peu de mots que nous avons, que vous avez dit ici, ce cœur-là est prêt à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ce cœur-là s'est dit être prêt à suivre Jésus, lui qui est notre modèle, lui qui est notre chemin, la vérité et la vie. Aider cette personne à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. J'aimerais te parler sincèrement. Je me permets de te tutoyer parce que toi et moi, nous avons déjà une intimité. Parce que tu es connecté à ceci, à ce message, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire en toi. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, qui me suit. Tu es blessé dans ton âme. Et tant aussi longtemps que tu es blessé, tu vas blesser d'autres personnes. Et cette blessure est tellement douloureuse que ça t'empêche même de fonctionner dans tes relations et dans la vie. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui veut te guérir. Il veut guérir ton âme. Il veut passer par là pour que tu t'en souviennes encore, mais que cela ne fasse plus mal. Il est celui qui te guérit, mais il est aussi celui qui te restaure. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il connaît ta douleur. Et aujourd'hui, il se tient à ta porte, à la porte de ton cœur et il frappe. Il frappe à une porte qu'il ne va jamais violer. Parce que tu es la seule personne qui peut ouvrir cette porte. C'est une porte dont le poignet se trouve à l'intérieur. Il n'a pas le droit d'ouvrir cette porte. Toi seul peux l'ouvrir. Mais lui t'attend. Et il est à cette porte. Aujourd'hui, tu n'as qu'à faire ce pas. Aujourd'hui, tu n'as qu'à reconnaître ta douleur. Aujourd'hui, tu n'as qu'à reconnaître ton incapacité de t'aider toi-même. Ton incapacité de te sauver toi-même. Ton incapacité de te guérir toi-même. Les blessures de ton enfance, il les connaît. Mais tu as survécu pour une raison. Si tu es encore là, c'est parce qu'il y a une destinée pour toi. Et aujourd'hui, il veut t'introduire dans cette destinée. Tu as suivi plusieurs chemins, mais laisse-moi te dire, il connaît le chemin qu'il a formé pour toi. La Bible déclare que ceux qui se confient en Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins tout tracés pour toi. Il y a des chemins tracés pour ton bonheur. Je ne te dis pas que cela sera facile, mais cela sera possible. Parce qu'il va te donner la force, il va te donner la puissance, il va te donner les capacités
Aujourd'hui, tu peux simplement dire avec moi, Seigneur Jésus, je reçois ta parole. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements. Viens régner dans ma vie. Purifie-moi par ton sang. Guéris mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice. Bénis ma vie et bénis mes relations. Dans le nom de Jésus, je crois que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Fais-moi vivre cette gloire. Dans le nom de Jésus, merci pour le sacrifice que tu as accompli pour moi. Merci d'être venu juste pour moi. Merci de restaurer mes relations qui sont malades. Merci de relever ma tête et de restaurer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, est-ce qu'on peut bien acclamer pour ces âmes? Là, maintenant, il y a une fête qui est organisée au ciel. Nous bénissons l'Éternel et nous vous souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Ah, maman Dorcas dit toujours il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas, pour sauver également les autres. Alors aujourd'hui, c'était le pasteur Moussa qui était là pour t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera également ton tour, n'est-ce pas? Alors, regarde tout autour de toi s'il y a une église locale où on ne prêche que Jésus. Vas-y, commence à communier là-bas. Demeure dans la présence de Dieu parce que la parole t'aidera à grandir, à croître spirituellement. Demain, tu pourras parler aussi de Jésus à un autre cœur, à une autre personne. Alors, déjà, on avance vers la fin. Le temps va tellement vite. Moi, j'aimerais bien qu'on parle en deux ou trois minutes de ce compagnon indispensable qui est donc cet ouvrage. Hein, je vais quand même lire les casquettes qu'a notre invité. Moussa Moupassa est bien plus qu'un mentor. C'est un animateur radio, donc c'est un confrère. Un animateur radio, un conférencier, c'est aussi un fervent défenseur de la libération des potentiels individuels, particulièrement engagé à inspirer les jeunes à devenir des agents des changements. Ça, c'est très important. En tant qu'orateur et responsable de l'organisme Ministère Parole destiné à Montréal, Canada, il combine également son expérience dans les secteurs financiers et biotechnologiques avec sa maîtrise en sciences et en sciences de la gestion pour offrir des perspectives éclairées sur les défis contemporains. Il est très marié depuis 19 ans et père d'un adolescent. Moussa Moupassa incarne également les valeurs familiales et l'équilibre dans sa vie personnelle. Son engagement envers l'autonomisation des individus et son désir de voir chacun atteindre son plein potentiel font de lui un leader inspirant et un modèle pour ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves. Vous comptez réaliser votre rêve, mesdames et messieurs? Voilà, il y a un ouvrage là-dedans, vous allez trouver des conseils. Il y a tout ici, hein? Il y a des stratégies. Bon, vous êtes mieux placé pour en parler. C'est votre premier ouvrage? Oui, tout à fait. OK. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que nous allons trouver dans cet ouvrage intitulé « Vainqueurs ou victimes de nos relations » ? C'est un ouvrage qui est plus qu'un livre. C'est un outil thérapeutique. Plusieurs qui l'ont lu se sentent guéris, se sentent aussi autonomisés dans ce qui concerne les relations. Mm-hmm. Si vous avez de la difficulté dans vos relations, ceci est un guide pratique pour l'harmonie de relations. Ça va vous donner des outils pratiques, stratégique à utiliser de façon intentionnelle. Quand vous allez chez un médecin, il va vous donner une prescription à prendre matin, midi, soir. Mm-hmm. Pourquoi ne pas prendre une dose qui va vous aider à réussir
dans ce que l'économie divine appelle la monnaie même de la réussite, les relations. Donc, dans ce livre, nous avons justement ces principes, ces stratégies qui nous aident à réussir. Vous les avez expérimentées vous-même? Exactement, oui. Et j'en ai souffert aussi. OK. Ce livre aussi, c'est mon expérience aussi. Là où j'ai souffert dans les relations, ça n'a pas toujours été évident. Là où j'ai connu des blessures. Vous savez que quand vous survivez à une blessure, c'est toujours le but d'aider quelqu'un à guérir. Quelqu'un qui a eu des cicatrices peut comprendre quelqu'un qui souffre en ce moment. Comment faire pour s'en procurer? Ce livre est disponible sur Amazon. Il est disponible aussi sur dans les éditions Blossom. Mm-hmm. Il est aussi disponible à English Shop, comme on a l'habitude de l'avoir ici en RDC. OK. Et dans nos différentes églises, non? Dans les différentes églises, nous sommes en train de parcourir les différentes églises aussi pour cet effet. Donc, je suis encore là dans la ville et j'aurai à parcourir quelques églises pour cet effet. Et ça se vend à combien? Ça se vend à $20. Seulement? Seulement. 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 $20 seulement. Vous achetez. Et vous allez voir là où ça ne marchait plus, après avoir lu cet ouvrage, vous serez maintenant la solution par rapport au problème. Vous étiez déjà prêt à vous séparer de votre époux, de votre épouse. Ne soyez pas pressé de prendre cette décision. Achetez d'abord cet ouvrage, lisez-le, et après, vous allez prendre une décision. N'est-ce pas? Ah, les relations. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si le pasteur Moussa, qui est notre invité, dit qu'il a expérimenté, et aujourd'hui, l'Éternel l'a inspiré à mettre tout ça dans un livre, comme quelqu'un dirait, non, les Africains, surtout les Congolais, il faut pas, si vous voulez les cacher les choses, il faut les mettre. Non, les Congolais de nos jours aiment la lecture. Aime la lecture, nous lisons. Alors, allez-y, il n'y a pas assez d'exemplaires, hein, donc faites vraiment vite. Pasteur, votre numéro, il y a peut-être des gens qui chercheront à vous contacter. Vous, tout à fait. Peut-être vous allez faire aussi des livraisons à domicile. Oui, hein. Oui, pourquoi pas. Après, vous achetez 5 livres, on vient vous les livrer à la maison. Voilà. 5, morotez. Oui, mon numéro de téléphone est le +1 514 983 1773. Vous pouvez je répète, +1 514 983 1773. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Mm-hmm. C'est lui-même qui décroche son téléphone, c'est lui-même qui répond au message. S'il ne le fait pas tout de suite, dites-vous, c'est un homme de Dieu, dites-vous qu'il est occupé, il est en train de prier, il est en train de prier pour quelqu'un et il pourra vous rappeler. En tout cas, il est fait. Moi, d'ailleurs, j'ai oublié de le rappeler autant de fois, mais lui, il m'a rappelé. Donc, de ce côté-là, soyez tranquille, appelez, cherchez également à acheter ces livres qui se vendent à $20. Je refuse de les dire en francs congolais parce que ça bouge à tout moment. Je peux dire 54 000, or c'est peut-être déjà 56 ou 58. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera déjà à 60. Voilà pourquoi je me limite à dire que c'est 20. Cher pasteur, achetez, maman, frères et sœurs, vous voulez également vous engager dans une relation, ne soyez pas pressé de vous engager, cherchez d'abord à lire ces livres et après vous allez vous engager. Parlons du ministère rapidement, ici à Kinshasa, ministère de destinée, il n'est pas encore implanté, mais le okay. Ministère Parole de destinée est un ministère qui est axé à aider les jeunes à sortir des limites de leur identité okay. Pour en faire des agents de changement dans la société. Donc, on accompagne les jeunes, on les mentore, on les équipe, on les forme, on les inspire. Donc, par différents moyens, nous sommes là pour les aider, les accompagner. Certes, le ministère n'est pas encore implanté ici, mais j'ai vu, vous êtes conférencier. Combien de conférences comptez-vous organiser à Kinshasa? À Kinshasa, déjà, la semaine prochaine, je suis à Lemba, à l'église Cité de David, avec pasteur Samuel. Et je serai aussi au centre Wallonie, Bruxelles, le 6 août. Okay.
donc pour exposer ce livre. Donc on peut toujours y aller. Voilà. Le numéro est là, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous voulez encore avoir beaucoup plus d'explications. Vous avez peut-être des questions que Maman Dorcas n'a pas posées ici. Vous pouvez directement écrire à l'homme de Dieu. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez et puis il va vous répondre. Un dernier mot pour aujourd'hui? Un dernier mot serait que c'est compliqué, mais c'est possible. Oui, ça j'aime. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. Ne perdons pas espoir. Mm-hmm. Vous savez, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cela ne s'applique pas seulement pour le mariage. Mm-hmm. Ne restez pas seul. Restez pas isolé. Car vous vous éloignez de votre réussite en restant isolé. Connectez-vous avec quelqu'un. Connectez-vous avec des bonnes personnes. Que le Saint-Esprit nous aide à nous connecter avec des bonnes personnes, parce qu'il y a des personnes qui entrent dans nos vies pour nous faire reculer, pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Mais heureusement que le grand coach est là, le grand entraîneur est là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous guide à se faire entourer des bonnes personnes. Mais soyons aussi des bonnes personnes pour les autres. Des fois, on est tellement égoïste dans nos prières. Hein, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour les autres? Ça, c'est aussi important. C'était un réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Moussa Moupassa. Merci à tous ces hommes de Dieu, à tous ces servants de Dieu qui l'ont accompagné. Je les appelle comme ça parce qu'ils ne se sont pas présentés à moi. Hein, mais je les dis parce que je sais, rien qu'en le regardant, on se voit que ce sont des chrétiens. Hmm? J'ai menti. Ah. Non. Alors, vous pouvez juste faire ça, acclamer, voilà. Merci d'avoir accompagné l'homme de Dieu. Merci au frère Nathan, Jordi, ainsi que tout son groupe. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci pour ce nouveau numéro. Nous bénissons l'Éternel qui nous a envoyé son serviteur. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas notre programme, c'est son programme à lui. Il nous envoie qui il veut, quand il veut, parce que nous avons soif de sa parole, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, des fois, nous négligeons des relations. Il y a même qui négligent leur famille. Il y a même qui négligent leurs collègues. Il y a même qui négligent leurs enfants. Les relations sont très, très, très importantes. N'est-ce pas? N'oublions pas, Jésus-Christ gagne toujours. Il a encore gagné dans ce nouveau numéro. Amen. Parce que il y en a qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Christ. Lèvons-nous, mesdames et messieurs, faites également pareil chez vous à la maison. Nous allons recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu, le pasteur Moussa, qui va nous bénir. Et le frère Nathan Jordi va nous aider à chanter et à danser pour la gloire de Dieu. Allez-y, pasteur. Prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour ta fidélité au Dieu qui est grande. Nous voulons, Seigneur, donner gloire à ton nom pour ce ciel ouvert dans nos vies. Nous croyons que tu as fait déposer, Seigneur, une pluie qui va, Seigneur, mon Dieu, avoir des effets et de l'impact, Seigneur, sur notre avenir. Que les destinées représentées par les vies de chacune, de chaque personne, au nom puissant de Jésus, soient impactées, soient, Seigneur, dynamisées dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons, Seigneur, une explosion de gloire. J'appelle une vague et un vent de faveur, Seigneur, mon Dieu, dans chaque relation, dans chaque circonstance, dans chaque situation. Là où il y avait des maladies, que la guérison soit établie maintenant dans le nom de Jésus. Révèle-toi puissamment et fais de nous des témoins, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as fait. Nous recevons ta vie, nous recevons ta faveur. Bénis ton peuple et fais de nous une source de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, tu bénis, Seigneur mon Dieu, ta grandeur. Tu bénis, Amen. Seigneur mon Dieu, Biwan. Que cette œuvre prospère, Amen. Et aille encore de l'avant. Yes. Que cette œuvre devienne grande. Mm. Que cette œuvre, Seigneur, impacte encore des multitudes. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci de bénir ta servante, Maman Dorcas. Oh Dieu, tu connais ses besoins. Mm. Fais-lui du bien. Amen. Afin qu'elle continue à rayonner comme un soleil, oh Dieu.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.